Abba, papa, on t'aimera. Et ton lit, Sami, Abosa, Nayoé. Abba, papa, on t'aimera. Hello, Tamba.
nanga Yesu otombolaka mokwei kombo na yo heleki toyembi banso Yesu Yesu viendront vers toi parce que tu es celui qui écoute la prière. Nous voici dans ta présence, nous voici dans ta présence Jésus, nous voici dans ta présence, nous sommes là dans ta présence parce que c'est toi qui nous reçois. Tu es celui qui nous décharge de nos fardeaux. Nous voici encore Bonayo Mokangoli Yesu Oyo Kaka Mabondeli Yesu Otombola Kamokwei Kombonayo Eleki Toyemi Panso Yesu Jesus, Jesus, Jesus. Kota na motema nanga yakalelo Yesu yakakonza na motema nanga yaka Yesu kota kota na motema nanga kombona yo kombona yo tofele Yaka, yaka kota, mote mananga. Yesu yaka, yaka konza, konza. Yaka lelo, yaka fanda, na mote mananga. Kombo na yo, kombo na yo. Toyemi lisusu Yesu 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 kombona yo
Merci pour les enfants que tu nous as donnés. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour ce temps de prière dans lequel nous sommes en ce moment. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour ce travail que tu as accordé. Nous te disons merci. Merci pour le pain que tu donnes chaque jour sur la table pour que nous mangions à la maison. Alléluia. Alléluia. Merci pour la sécurité de mon mari. Alléluia. 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 Yahweh. Merci parce que jusqu'aujourd'hui, si je suis debout, c'est à cause de Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Alléluia. Oui, merci Jésus, merci Seigneur. Nous te rendons gloire, toi Adonai, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, toi qui accomplis des signes et des prodiges. Nous témoignons ta Seigneurie parce que tu demeures éternellement. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus en ce midi en prière?
Nous lui disons merci, non pas parce que non, nous lui disons merci parce qu'il le mérite. Il mérite cette reconnaissance. Il mérite que nous lui disions merci. Il mérite que nous l'acclamions. Il mérite que nous célébrions son nom. Il mérite que nous lui disions merci pour notre santé. Que nous lui disions merci pour notre mari. Alléluia. Que tu lui dises merci pour tes enfants. Alléluia. Que tu lui dises merci pour ces études que tu fais. Alléluia. Que tu lui dises merci pour ce voyage. Alléluia. Que tu lui dises merci pour ces projets que tu as. Oh. Ça ne s'est pas encore réalisé, mais tu as la foi et tu lui dis merci parce qu'il t'a prêté vie et souffle. Alléluia. Tu lui dis merci parce que même si ton frère, même si ton oncle, même si ta tante est à l'hôpital, mais merci parce que Dieu est vivant et qu'il est encore assis sous son trône et rien ne peut se passer sans qu'il ait décidé. Nous lui disons merci parce que c'est lui qui a la dernière signature sur ses documents. Nous lui disons merci parce qu'il est plus grand que l'administrateur qui gère tes papiers là où ils sont entrés. Il est plus grand que le chef du personnel. Il est plus grand que le bureau de l'ambassade. Il est plus grand que les affectations que tu dois avoir pour tes missions de service. Il est plus grand et plus élevé encore. Disons à Dieu merci. Merci, oh Dieu, merci. Parce que la bonne santé, nous l'avons de toi. Merci, parce que la restauration, nous l'avons de toi. Merci, parce que cette année, tu vas encore passer de classe. Cette année, tu auras ta collation. Cette année, tu vas finir ton bac. Tu vas avoir ton bac. Cette année, tu vas avoir ton master. Cette année, tu vas faire cette formation en ligne. Cette année, tu vas tout finir. Tu vas tout finir. C'est cette année que tu vas te marier. Tu vas payer cette dot cette année. Dieu va te l'accorder, alors dis merci à Dieu. Disons-le merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te dis merci. Parce que je suis encore avec mes enfants vivants. Même si papa est parti, ça fait longtemps, je suis veuve. Mais je suis avec mes enfants. Seulement avec l'argent des pains. Seulement avec la vente des beignets. Seulement avec la vente des braises. Tu fais que mes enfants puissent grandir et étudier. Je te bénis Jésus. Merci parce que si moi un payé dans cette maison. Oh, nous sommes dans cette maison Jésus. Oh, nous sommes dans cette maison. La garantie est en train de finir. La garantie locative est en train de finir. Je ne sais d'où j'aurai les moyens pour payer encore. Mais j'ai foi en mon Dieu. J'ai foi en mon Dieu. Parce que l'Éternel n'est pas mort. Il est vivant. Il est assis sur un trône élevé. Celui qui est assis sur un trône élevé, c'est l'agneau immolé. Or l'agneau immolé, c'est un agneau que l'on tuait, que l'on sacrifiait pour qu'il soit mort. Mais celui qui est assis sur le trône, non seulement qu'il a connu la mort, mais il est ressuscité. Celui qui est assis sur ton trône n'est pas mort, il est vivant. Il est le ressuscité, c'est-à-dire qu'il entend. C'est-à-dire qu'il peut comprendre dans quoi tu passes. C'est-à-dire qu'il peut agir et réagir en fonction des réalités qui se passent sur terre. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Est-ce qu'on peut écrire 5 dinos dans les commentaires? Est-ce qu'on peut écrire 5 dinos dans les commentaires? Je cherche quelqu'un qui écrit 5 dinos dans les commentaires. 5 à 10 noms, écrivons, invitons plusieurs. Partageons. Chetalab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 a. Les malaba la baba 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 bashe talabara baba si ifarna malada bala la bashe. 5 à 10 noms dans les commentaires. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'ingratitude n'est pas une valeur chrétienne. Un enfant de Dieu ne peut pas être ingrat. L'ingratitude, ce n'est pas reconnaître la grâce qui nous a été faite, un bienfait qui nous a été fait de quelqu'un. Déjà, dès qu'on manque cette reconnaissance-là, c'est déjà ça l'ingratitude. Maintenant, cela se démontre par des actes que l'on pose. Soit la personne est indifférente à l'action qu'on lui a posée, à le bienfait qu'on lui a donné. Soit il ne dit rien. Soit il se tait carrément. Ou même l'autre personne, il fait fi comme si c'était pas quelque chose de grave. Bon, il a seulement donné, c'est tout. L'ingratitude n'est pas une valeur chrétienne. Et midi en prière, quand nous venons prier, nous savons que nous avons des attentes. Nous savons que nous avons des besoins. Nous savons que nous avons des choses pour lesquelles nous intercédons pour que Dieu puisse manifester sa main, pour que nous puissions avoir des solutions efficaces et adéquates. Mais au-delà de tout, nous voulons aussi lui dire merci pour ce qu'il fait déjà. J'aimerais qu'en ce moment, que nous oublions un peu les choses que Dieu...
que nous attendons que Dieu puisse faire pour nous. Yes. Cette maternité, Dieu va donner. Cet argent, Dieu va doter. Yes. Ces enfants, Dieu va donner. Amen. Ce travail, Dieu va donner. Amen. Cette maison, Dieu va donner. Amen. Pour vous qui nous suivez dans les taxis, vous qui nous suivez dans les motos, nous vous bénissons au nom du Seigneur. Yes. Nous sommes ensemble connectés et la grâce de Dieu est en train de marcher avec nous. Yes. Alors, je veux qu'en ce moment, que nous regardions ce que Dieu a déjà fait pour nos vies. Bénissons Dieu pour le vie et pour la vie et le souffle qu'il nous a donné. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu merci parce que tu es encore à l'extérieur du pays. Même si tu es confiné, tu lui dis merci parce que je suis encore à l'extérieur du pays. Tu lui dis merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour la vérité, merci pour ce qu'il fait déjà. Est-ce que tu peux dire avec moi MAP? Dis avec moi MAP. MAP. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va passer. Oui, la sombre nuit va passer. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait? Dis-lui merci parce que déjà tu es en quatrième. Tu dois passer en cinquième. Même si les frais compliquent, mais dis-lui déjà merci pour le parcours. Disons-lui merci même si tu es encore au bas de l'échelle. Tu es encore sentinelle. Il n'y a pas encore eu de promotion. Tu as commencé là. Mais Dieu va te visiter. Dis-le merci pour cette grâce. Tu espérais qu'on puisse te donner 100. Mais voilà, entre tes mains, tu n'as reçu que 10. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait? Tu attends ce fiancé, tu attends ce fiancé. Mais tu es en train de bénir Dieu parce que chaque matin, tu t'as encore donné la beauté. Dieu t'a encore donné la force de marcher. Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu pour ce qu'il fait déjà? Ce regroupement familial, tu l'attends depuis longtemps. Pour que ta fiancée, ta femme puisse quitter, que vous vous retrouviez entre vous les enfants et les parents. Mais Dieu peut débloquer la situation. Ce visa que vous avez attendu il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Oh, Dieu peut ouvrir le chemin. Mais nous lui disons merci parce que jusqu'aujourd'hui la famille tient encore. Même si quelqu'un se trouve à l'extérieur du pays, l'autre se trouve à un endroit très éloigné, les enfants se trouvent à un endroit très éloigné, mais Dieu a su maintenir l'unité de la famille. Dieu a su maintenir l'amour dans la famille. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Dieu a su maintenir la fidélité dans ton couple. Même si le mari est parti en mission de service, ça fait déjà 3 mois, mais l'unité dans la maison, la fidélité dans le couple, l'amour est encore dans le couple. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait? Bénissons Dieu pour ce qu'il a déjà fait. J'aimerais que quelqu'un bénisse Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Même si pour le moment cette chimiothérapie n'est pas en train de donner des résultats, mais ton Dieu demeure vivant. Voilà pourquoi tu as des soucis et des inquiétudes. Parce que tu te focalises trop sur ce que tu n'as pas encore. Alors qu'il est aussi important de se focaliser sur ce que Dieu a déjà fait. Si tu te focalises sur ce que Dieu a déjà fait, tu arrêteras d'avoir des soucis et des inquiétudes tout le temps. Or, si tu te focalises sur ce que Dieu a déjà fait, c'est ta foi qui sera nourrie. Tu seras réconforté, tu seras fortifié en te disant que le Dieu qui a agi hier, c'est aussi le Dieu qui agira aujourd'hui et c'est aussi le même Dieu qui agira demain. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Oui, nous te bénissons pour tout, Jésus. Oh, nous te rendons grâce, oh Jésus. Nous te rendons grâce, oh Jésus. Maman, Yébise, merci pour la banane à Pessayo. Merci pour les enfants qu'il t'a donné. Même si cet enfant commence à se droguer. Même si cet enfant est devenu Kuluna. Même si cet enfant commence à rentrer 23h30 à la maison, en train de vous frapper la porte alors que vous êtes les parents, vous êtes déjà en train de dormir. Mais dis merci à Dieu parce que le Dieu qui t'a donné cet enfant a l'ennemi été à Kobongola et Kaka. Le Dieu qui t'a donné cet enfant ne s'est pas fatigué, il va le changer. Oui, disons à Dieu merci. Disons à Dieu merci pour ces conteneurs, ces marchandises qui sont bloquées. Yes. Au niveau du port, qui sont bloquées au niveau de la douane. Dieu va débloquer la situation. Amen. Disons à Dieu merci pour ces situations qui arrivent où on a des frères qui sont de l'autre côté. On se dit que comment ça va se passer? Dieu est au contrôle de tout. Yes. Oh, nous te disons merci Jésus. Parce que nous savons que entre les mouvements, tu es avec nous, Père.
Que la gloire te revienne. Yes. Que la gloire te revienne. Yes. Oh, dis avec moi, map. Map. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va passer. Oui, frère Christopher, ça finira pas en marché. Yes, pasteur. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va passer. Oui, vous qui nous suivez dans les taximens, dans les motos, dans les restaurant, vous qui nous suivez dans vos maisons, nous vous saluons de la grâce du Seigneur. Amen. Ce midi, j'aimerais que l'on soit reconnaissant envers le Seigneur. Yes. Afin que nous puissions décoller. Yes. Vous savez, lorsqu'on dit à quelqu'un merci, on est déjà en train de lui dire que ce que tu as fait est bon. Mm-hmm. Mais cela est aussi en train de l'encourager. Mm. Pour qu'il le fasse encore. Mm. Voilà pourquoi le juge Samuel, le prophète Samuel pouvait dire Ebenezer, yes. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Il est en train de dire que jusqu'au point où nous en sommes ici là, l'Éternel nous a secourus, yes. Et nous le bénissons. Puisque nous le bénissons pour le ici dans lequel nous sommes, nous lui disons merci. Dieu, lorsqu'il verra cela, il va nous conduire vers le là-bas. Come on, come on. La reconnaissance de Ebenezer ici ouvre la porte pour que Dieu soit aussi le secours de là-bas. Yes. Je prie pour que le Dieu de ici devienne le Dieu de là-bas. Mais yes. Pour que le Dieu de ici devienne le Dieu de là-bas, uh-huh. Il faut que tu sois le, tu reconnaisses la grâce du Dieu qui s'est manifestée ici. Il dit jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Est-ce qu'on peut écrire 5 ninons dans les commentaires? 5 ninons dans les commentaires. Je vois la gloire de Dieu est en train de monter. Je vois la grâce de Dieu est en train de couler. Je vois le feu de Dieu se manifester. Chata la baba 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 baba. Oh, il est temps de dire à Dieu merci. Confiné, mais nous disons à Dieu merci. Niragongo, mais nous disons à Dieu merci. Parce qu'il voit, il contrôle et il gère tout. Oh, chata la baba baba baba. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus au Congo. Jusqu'ici, l'Éternel a secouru l'Est. Jusqu'ici, l'Éternel a secouru nos cœurs. Jusqu'ici, l'Éternel a secouru son église. Jusqu'ici, l'Éternel a secouru ta famille. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru dans ce problème d'empoisonnement. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru dans ce procès en justice. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Entre vous, les enfants, vous vous battez pour l'héritage. Jusqu'ici, l'Éternel vous a secouru. Avec ces menaces que tu reçois, mais l'Éternel te protège toujours. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Même si au travail, tout le monde est contre toi, mais ce poste, tu le gardes toujours. Et Dieu te donne la sagesse pour demeurer longtemps. Car Daniel a vécu longtemps au milieu des sorciers et des malfaisants. Mais il était celui qui était élevé et 10 fois supérieur en intelligence. Oui, Ebenezer, merci. Vous savez, la Bible déclare jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Il est temps que nous nous rendions compte de ici où Dieu nous a conduits. Là où nous sommes, c'est ici. Amen. Dans nos ici, nous sommes en train de bénir Dieu. Amen. Le ici dans lequel je suis, c'est que je suis marié. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Dès que je le dis, celui qui m'a secouru aujourd'hui est en train d'ouvrir la voie pour m'attendre dans les là-bas. Et les là-bas de demain deviendra aussi les ici. Lorsqu'il me conduira là-bas et que j'arriverai là-bas et qu'il me donne les enfants, là où je serai avec les enfants, je dirai encore jusqu'ici. Donc les là-bas de Dieu deviendront toujours mais ici. Les là-bas de Dieu deviendront toujours mais ici. Les promesses de Dieu deviendront toujours tes ici. Il est temps que tu dises jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi jusqu'ici l'Éternel m'a secouru? Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Deux. Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Trois. Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Lorsque tu es en train de dire jusqu'ici l'Éternel m'a secouru, je suis en train de voir Dieu ouvrir une porte nouvelle pour toi. Amen. Je suis en train de voir Dieu ouvrir cette porte de voyage pour toi. Amen. Je suis en train de voir Dieu ouvrir cette maternité pour toi. Amen. Je suis en train de voir Dieu ouvrir cette protection, cette sécurité pour toi. Amen. Tu
dit leur quand vers avec moi, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Deux. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Trois. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, j'aimerais que tu dises jusqu'ici, Seigneur, tu m'as secouru. Yes. Jusqu'ici, je sors le matin, je prends le train, je prends le bus, je vais à une autre ville, faire mon travail, travailler. Je rentre, mais tu me sécurises, il n'y a jamais eu d'accident. Tu as protégé mon départ et mon arrivée. Jusqu'ici, cette grossesse qui a atteint 8e, à la 8e mois, à la 6e mois, l'Éternel est en train de sécuriser et de garder. Tu es en train de dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel a gardé notre famille unie. Jusqu'ici, l'Éternel a gardé mes frères et mes sœurs. Jusqu'ici, l'Éternel nous a protégés. Jusqu'ici, Dieu a semé son amour entre nous, entre frères, nous nous aimons. Est-ce que quelqu'un peut dire jusqu'ici et commencer à bénir Dieu pour les ici de sa vie? Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces chemins déjà parcourus. Nous te disons merci. Merci pour ces chemins déjà parcourus. Merci pour les enfants que tu as donnés. Merci pour ce mariage qui a reçu. Merci pour la bonne santé. Merci pour l'intelligence que tu as donnée à nos enfants. Merci pour la protection au travail. Merci pour ce voyage qui a été une réussite. Merci pour la santé de mon père. Merci pour la santé de ma femme. Merci pour la santé de mes enfants. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous revenons à toi comme l'unique lépreux pour te dire merci. Merci pour ta main qui s'est manifestée. Merci pour le souffle de vie. N'est-il pas écrit, un chien vivant formé qu'un lieu mort? Oh Dieu, avant d'attendre de grandes choses, je viens te dire merci pour ce souffle de vie. Je viens te dire merci pour la santé. Je viens te dire merci pour la réussite. Je viens te dire merci pour les loyers. Oh Dieu, que tu permets que ça soit payé. Nous venons te dire merci pour la réussite de cette opération. Nous venons te dire merci de nous avoir donné la victoire face à ces procès. Nous te disons merci pour ce travail que tu as donné. Nous te disons merci pour cette promotion que tu as donnée. Nous te disons merci pour la guérison manifestée. Nous te disons merci pour notre pays. Nous te disons merci pour notre église. Nous te disons merci pour notre merci pasteur. Jésus. Oh Jésus, sois. Oui, merci Jésus. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce loyer que tu nous as donné de payer durant une année et 6 mois. Maintenant que nous sommes en train de consommer la garantie locative, on est presque à la fin. On ne sait pas où on ira, de quoi sera fait la vie. Mais merci parce que depuis qu'on a commencé dans cette parcelle jusqu'ici, tu nous as secouru. Quelqu'un est en train de dire à Dieu merci pour ses projets de construction de maison. Ce chantier, Dieu est en train de te soutenir. Même si le chantier s'est arrêté il y a 6 mois. Mais depuis que tu avais commencé jusqu'au point où tu en es, l'Éternel t'avait secouru. Quelqu'un est en train de dire à Dieu merci. Parce que même si j'apprends que ma tante est affectée du corona, qu'il est mis sous surveillance, il est à l'hôpital, un oncle, un membre de famille, je sais que jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et il ne nous abandonnera pas. Et il ne t'abandonnera pas. Et il ne te délaissera pas. Et il ne te délaissera pas. Il ne te délaissera pas. Il ne te délaissera pas. Il le fait à cause de sa grâce. Il le fait à cause de sa grâce. Est-ce qu'on peut partager? Écrire 5-10 noms dans les fils de commentaires. Écrire 5-10 noms dans les fils de commentaires. Chatalabarababababa. Oh, j'aimerais inviter quelqu'un à partager. Et Satan ma tonde, et Satan ma web sanza me ma tonde, ma tonde, ma tonde. C'est le moment où nous disons à Dieu merci. Oui, 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 oui. Il est temps de dire à Dieu merci. Il est temps de dire à Dieu merci. Bon, Salana, nous que tu as un problème de maladie, dis à Dieu merci pour ce qu'il a déjà fait. Chetalabarababo, salaba yamalalaba. Oui, disons à Dieu merci. Disons à Dieu merci. Écrivons 5-10 noms dans les fils de commentaires. Chakababababababababa. Je sens la gloire de Dieu monter. Il y a plusieurs, Dieu va les visiter aujourd'hui. Parce que seulement ils vont commencer à dire à Dieu merci. Parce que chaque jour, tu donnes la paix, tu donnes la nourriture sur la table chaque matin à la maison.
Et à cause de ça, je sais que mon mari aura un travail. Amen. Dieu va ouvrir le voie pour ton commerce. Amen. Si tu dis à Dieu merci pour le chiffre d'affaires que tu fais déjà, dis-lui merci pour le poste que tu as. Même si tu fais un stage professionnel, on ne te paye pas encore. Mais dis à Dieu merci parce que j'ai déjà commencé ce stage. Même si on ne me rémunère pas encore, Dieu va ouvrir la voie. Dis à Dieu merci pour ce contrat temporaire. Tu cherches un CDI, Dieu va te le donner. Mais dis à Dieu merci pour ce contrat qui est encore temporaire. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Oui, pasteur Gauthier. Pasteur Patrick, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et ces moments de prière sont des moments très très bénissants. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus et à Jésus seul. Amen. Il y a deux témoignages qui nous parviennent tout à l'heure, pasteur Patrick. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Oui. Il y a une bien-aimée qui nous rend son témoignage en disant qu'elle vient rendre témoignage. Elle vient témoigner l'amour de Dieu car sa grand-mère est sorti du coma le vendredi. Oh, yes. Juste après la déclaration claire du pasteur Patrick. Que Dieu vous bénisse énormément et nous glorifions le nom du Seigneur. Oh. Que le nom de Jésus Christ soit. Oh, que Dieu soit béni. Et nous déclarons au nom puissant de Jésus que si vous avez un frère, un cousin, quelqu'un qui est à l'hôpital qui nous suit, ou même vous-même vous avez quelqu'un qui est à l'hôpital, au nom puissant de Jésus, docteur Saint-Esprit se met en œuvre, car le plus grand des médecins c'est l'Esprit de Dieu. Yes. L'Esprit qui a créé l'homme, qui peut réparer le corps lorsque le corps se détruit. Je prie au nom de Jésus que les poumons soient restaurés. Amen. Que les cœurs soient restaurés. Amen. Que les yeux soient restaurés. Amen. Que le sang soit restauré. Amen. Que les muscles soient restaurés. Amen. Que la peau soit restaurée. Amen. Que Dieu sorte des comas et que la guérison soit entière et totale. Et particulièrement, je prie pour une personne, pour une cicatrisation d'une plaie. Dieu est en train de le faire par la puissance de son nom. Cette intervention chirurgicale qui a laissé des cicatrisations, vous sentez des douleurs après cette intervention chirurgicale. Je prie au nom de Jésus que Dieu puisse cicatriser totalement, entièrement, et il n'y aura aucune conséquence. Nous l'avons déclaré au nom de Jésus. Super, pasteur Patrick. Nous bénissons Jésus pour midi en prière de bénédiction double et même triple. Alléluia. Une bien-aimée nous fait parvenir son témoignage qui est bénissant. Et que Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Elle nous rend son témoignage en disant qu'au premier trimestre de sa grossesse, elle avait été atteinte de la COVID-19. Oh Jésus. Mais que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui juste après un bref instant va lui guérir de cette COVID-19. Oh yes. Mais l'intéressant de ce témoignage, c'est celui-ci. C'est que le jeudi de la semaine passée, la bien-aimée nous rend son témoignage en disant qu'elle a été, elle était en train, parce qu'elle était grosse, donc disons-le comme ça. Le jeudi de la semaine passée, elle a commencé le travail pour un accouchement paisible. Que l'honneur de Dieu, que l'honneur revienne à Jésus. Amen. Mais elle nous dit ceci, le même jeudi, elle va être appelée pour un entretien d'embauche. Oh. Et juste après l'entretien d'embauche, le soir, elle ira accoucher. Oh, et tout s'est bien déroulé. Oh, nous rendons grâce à Jésus. Au-delà de la bénédiction de l'enfant qui est venu, le Seigneur a ajouté une autre bénédiction. L'entretien d'emploi. Oh, yes. Et que Jésus soit glorifié. Oh. Pour ce midi en prière de bénédiction double et même triple. Je suis en train de prier que Dieu vous scandalise par les bénédictions qui vont affluer. Vous savez, lorsque la pluie ne descend pas avec une seule goutte. La pluie est spécialiste en exagération des mêmes choses. C'est la même goutte qui tombe, mais elle est multipliée. Voilà pourquoi on l'appelle pluie. La pluie est une saison de bénédictions multipliées. Je prie que Dieu vous scandalise par des bénédictions multipliées au nom de Jésus. Que Dieu, après avoir touché la maternité, puisse toucher le travail. Yes. Après avoir touché le travail, puisse toucher la santé. Yes. Après la santé, qu'il touche les finances. Yes. Après les finances, qu'il voit les enfants. Oh. Après les enfants, qu'il parte dans la belle famille. Oh. Après avoir fini dans la belle famille, qu'il rentre chez le beau-père. Oh. Après, il entre vers les arrière-grands-pères. Qu'il fasse un tour de la famille élargie. Que Dieu vous scandalise au nom puissant de Jésus. Amen. Vous savez, papa Christopher, pasteur,
Il y a des armes, lorsque vous le tirez, ça doit toujours sortir en cascade. Okay. C'est ce qu'on appelle les mitraillettes. Okay. Quand on tire, ça doit faire ta 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 ta. Il y a des successions rapides de balles. Je prie que Dieu puisse actionner des bénédictions mitraillettes au nom de Jésus. Qui sortent en cascade. En un mois, que Dieu puisse toucher les enfants, que Dieu guérisse, que Dieu vous donne le mariage, que vous ayez un enfant, que Dieu donne des bénédictions en cascade au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de des bénédictions multifruits. Que Dieu le déverse sur vous au nom puissant de Jésus. Alors que nous sommes en train de partager, écrire 5 nidons dans les fils de commentaires, je sens la gloire de Dieu monter, 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 monter encore. 5 dinons dans les commentaires. Je vois la gloire de Dieu se répandre. Chakara baba baba. 5 dinons dans les commentaires. Oh my God, oh my God. Je vois le feu de Dieu se répandre. Chatele baba 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 baba. Dis encore avec moi, map. Dis avec moi, map. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va passer. Ce vendredi particulièrement, avant que nous puissions louer et célébrer le Seigneur, ce vendredi, nous serons encore là à partir de 15h30 avec un thème « Fini la servitude ». Orateur, le pasteur d'aider notre Père. Yes. Et nous bénissons Dieu parce que le vendredi passé, nous étions là. Dieu nous a conduits différemment. Oh, quelle gloire! Et nous serons là encore ce vendredi-ci à partir de 15h30. Mag, Église Mag, Kassavubu, référence, rond-point Kimpwanza, croisement Asso Salopori. Nous serons là à partir de 15h30 et Dieu nous fera encore du bien. Matchez à bien. Les perceptives sont bonnes. Est-ce qu'on peut écrire 5 nidons dans les commentaires? Je vois l'onction de la guérison se répandre en ce lieu. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de guérir. Oh, que la gloire lui revienne. Alléluia. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever. Alléluia. T'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tout, ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, nos mains sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Tu es le Père, je suis ton Fils. Tu es le Père de je tout, suis ton Fils. Ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Oh, nos mains, nos mains, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. T'adorer, t'adorer. Célébrer. Oh, tu es le Père, je suis ton Fils. Tu es le Père de je tout, suis ton Fils. Ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis le ciel. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Sont levées. T'élever. T'adorer. Célébrer, tu es le Père, je suis ton Fils. Tu es le Père, tu es ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, oh, tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis les cieux, tu remplis les cieux. Tu remplis les cieux, tu remplis les cieux. Que ta gloire, que ta gloire, Jésus. Que ta gloire, que ta gloire. 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 Que ta gloire, que ta gloire, tu remplis les cieux, tu remplis les cieux, Adonai, tu remplis les cieux, tu remplis les cieux, Adonai, tu remplis les cieux, nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, tu veux célébrer, tu es le Père, je suis ton Fils, tu es le Père de tous, je suis ton Fils, ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Ah, nos mains sont levées. Oui, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai.
Oui, nous voulons te célébrer, Adonai. De tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu es Dieu. Papa, tu remplis les cieux, Adonai. Oui, Adonai, tu remplis les cieux de ta gloire. Pas seulement, non seulement tu remplis les cieux, mais tu remplis aussi la terre de ta gloire. Car les cieux témoignent de ta gloire et de ta seigneurie, mais la terre aussi témoigne de ta gloire et de ta seigneurie. Voilà pourquoi toute langue se doit de confesser et tout genou se doit de fléchir et langue confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Dis avec moi map. Map. Map, c'est juste, ça finira par marcher. M, ça finira par aller. A, la sombre nuit va passer. P, map, c'est juste, ça finira par marcher. M, ça finira par aller. A, la sombre nuit va passer. P, donc map, ça finira par marcher. Ça finira par aller. La sombre nuit va passer. Oui, ça finira par marcher. Parce que le Dieu qui est avec toi, il t'a dit, vous marcherez. Si lui-même t'a donné l'ordre de marcher, c'est que les choses doivent aussi marcher. Il dit, vous marcherez sur les serpents. Sur les scorpions. Il est temps que tu puisses marcher sur les serpents. Il est temps que tu puisses marcher sur les scorpions. Il est temps que tu puisses marcher sur ces défis-là. Il est temps que tu puisses marcher sur cette stérilité. Il est temps que tu puisses marcher sur cette maladie, sur ce cancer. Il est temps que tu puisses marcher sur Corona. Il est temps que tu puisses marcher sur ce péché qui te lie. La Bible est en train de déclarer dans Proverbes 3, le verset 23, à partir du verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Il est temps que tu dormes et que tu arrêtes de faire des rêves où les gens te menacent. Il est temps que tu dormes et que tu arrêtes de faire des rêves où quelqu'un te poursuit. Il est temps que tu fasses des rêves, que tu arrêtes de rêver, que tu te vois dans les eaux, que tu te vois en plein forêt, que tu te vois en plein désert, que tu te vois toujours dans la parcelle familiale, une maison que vous avez habitée il y a longtemps alors que tu as déménagé. Il est temps que tu arrêtes de toujours te rêver lorsque tu étais en bleu blanc alors que tu es déjà à l'université, tu te vois encore au banc de l'école en train d'étudier. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps que ton sommeil soit doux. La Bible déclare, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Verset 25. Ne redoute ni terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Donc il arrive que quand quelqu'un est dans un sommeil, que les attaques des méchants puissent venir. Des visitations nocturnes dans les rêves. Nous allons prier pour ça. Tu fais des rêves où tu te vois, les gens sont en train de te poursuivre. Tu fais des rêves, tu te vois avec des personnes réunies, ils sont comme en train de te malmener. Tu fais des rêves, tu te vois toujours habillé en habit raffia comme si tu étais au village alors que toi tu es en pleine ville. Tu ne portes jamais ces vêtements-là. Tu fais un rêve, tu rêves toujours quelqu'un qui est mort. Vous êtes toujours ensemble avec lui en train de parler. Tu ne comprends pas cette chose-là, c'est quoi? Il est temps que Dieu te délivre au nom puissant de Jésus. Amen. Il est temps que Dieu te sorte de ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Déclare avec moi, mes rêves seront doux au nom de Jésus. 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 Ton sommeil sera doux, la Bible déclare. Il dit, tu ne craindras pas une attaque de la part de méchants. Tu es en train de déclarer que si je vais dormir, même si que ce soit la nuit, que ce soit pendant le jour, que ce soit un moment je faisais quelque chose et puis j'ai somnolé, même pendant ce rêve-là, qu'aucune attaque de méchants ne puisse se prévaloir sur moi. Tu es en train de refuser les attaques qui viennent pendant le sommeil. Tu es en train de refuser les attaques spirituelles qui viennent pendant que tu dors, pendant le sommeil, alors que tu t'es couché. Est-ce qu'on peut prier au nom puissant de Jésus?
sauter. Je viens m'opposer. Yes. Contre toute attaque de lui. Oh yes. Je viens m'opposer. Oh yes. Contre toute attaque de lui. Hey. Au nom de Jésus Christ, mon sommeil est appelé à être un sommeil doux. Mon sommeil est appelé à être un sommeil doux. La nuit est faite pour se reposer. Le sommeil est un temps de repos. Le sommeil est un temps de repos. Je déclare au nom de Jésus que la miraille de feu s'élève. Que le miraille de feu s'élève. Je ne serai touché pendant mon sommeil. Mes enfants ne seront touchés pendant leur sommeil. Mon mari ne sera touché pendant son sommeil. Je déclare un proclame. La sécurité divine. La Bible me dit. Le Seigneur Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais très souvent pendant le sommeil. Je prie au nom de Jésus que mes sommeils soient des moments de communion avec Dieu. Je prie au nom de Jésus que mes sommeils soient des moments où Dieu viendra déposer des visions, Dieu viendra déposer des projets, Dieu viendra déposer des choses venant du ciel. Je déclare au nom de Jésus. La Bible dit, pendant que Jacob reposait sa tête sur ses cheveux, il a vu une vision, les anges monter et descendre. Je prie au nom de Jésus que mes sommeils seront des sommeils de visitation. Que mes sommeils seront des sommeils de visitation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne serai touché ni de nuit, ni de jour. Je ne serai touché ni de nuit. Ni des jours, même pendant mes temps de repos, je ne serai pas touché. Les sommeils de mes enfants ne seront pas touchés. Je proclame et déclare, mes enfants ne seront pas initiés pendant leur sommeil. Mon mari ne sera pas initié pendant son sommeil. Je ne serai pas initié pendant mon sommeil. Au nom puissant de Jésus, je viens briser. Oui, au nom de Jésus, maman, prie pour tes enfants. Quand tes enfants dorment, tu ne sais pas qu'est-ce qui les menace la nuit. Papa, prie pour ton mari. Maman, prie pour ton mari. Papa, prie pour ta femme. Prie pour ton fiancé. Tu ne sais pas les genres de rêves qu'il fait ces temps-ci. Que l'Éternel protège tes enfants la nuit. Que l'Éternel protège ton mari la nuit. Que l'Éternel protège ta femme la nuit. Que l'Éternel protège ton chef la nuit. Il peut rêver que c'est toi qui es en train de la... Nous sommes en train de briser cela. L'attaque des méchants de la part des méchants la nuit, nous brisons cela au nom de Jésus. Les attaques des femmes mari de nuit, nous les brisons au nom de Jésus. L'Éternel te donne la victoire. 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 Aucune attaque la nuit ne viendra au nom de Jésus. Ou tu te réveilles en sursautant. Ou tu te réveilles avec des traces dans le corps. Comme si tu avais rêvé qu'on t'avait giflé. Tu t'es réveillé avec une douleur au niveau de la joue. Ces choses sont en train de s'arrêter au nom de Jésus. Dieu est en train de t'accorder la victoire au nom de Jésus. Dieu est en train de t'accorder la victoire au nom de Jésus. Chatalababa. Nous le déclarons au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Yes. L'Éternel ne sommeille ni ne dort parce que Dieu est esprit. Et puisqu'il est esprit, il ne peut pas dormir. Car dormir est lié au corps. C'est après l'activité de l'homme, après avoir dépensé de l'énergie, ce corps ici est comme une batterie. Elle doit se recharger. Lorsque nous mangeons, nous accumulons de l'énergie que nous avons dépensée. Quand nous étions en activité la journée, nous avons dépensé. Quand nous mangeons, nous réaccumulons l'énergie encore pour redépenser. Voilà pourquoi l'homme est obligé de manger chaque jour. Parce qu'il est comme un téléphone qui doit se charger chaque jour. Et parmi les éléments qui aident l'homme à se recharger, il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas que l'eau, il y a aussi le sommeil. Yes. Le sommeil est aussi un moyen pour l'homme de se recharger, pour être encore plus frais, pour affronter encore avec plus d'énergie le jour. Dieu, lui, ne sommeille ni ne dort. Mais l'homme avec lequel il marche, il est sur terre, cet homme sommeille et cet homme dort. Car l'homme sommeille et l'homme dort. Puisque le Dieu qui ne sommeille ni ne dort est à côté des hommes qui dorment, lui, puisqu'il est reste éveillé et qu'il veut continuer à parler avec celui qui dort, voilà pourquoi dans le sommeil de l'homme, il se peut que Dieu puisse lui parler. Voilà pourquoi la nuit, Dieu parle même pendant le sommeil. Parce que Dieu ne dort pas, c'est l'homme qui dort.
Voilà pourquoi Dieu peut te parler la nuit. Mais aussi, les esprits mauvais aussi viennent attaquer la nuit. Parce qu'ils sont aussi des esprits. Ils ne sont pas liés par le corps physique. Ils ne sommeillent ni ne dorment. Alléluia. Et nous allons prier pour cela. Tu fais des rêves, tu te vois toujours dans un village. Au village. Tu fais des rêves, tu te vois toujours à l'école là où tu avais étudié. Tu te vois toujours à l'université. Tu te vois toujours à Kinshasa alors que toi tu as déjà voyagé il y a longtemps. Tu te vois toujours dans la parcelle là-bas à Kisangani alors que tu n'es jamais allé à Kisangani. Ok. Tu fais des rêves où tu te vois toujours habillé en raffia. Tu fais des rêves où tu vois toujours une personne qui vient fréquemment, tu ne le connais pas. Tu as demandé dans la famille, c'est qui cette personne? Tu as essayé de décrire, personne ne connaît. Mais tu rêves toujours cette personne. Tu fais toujours certains rêves qui reviennent deux fois, trois fois l'an. Et bizarrement, ces rêves-là reviennent toujours à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Soit tu es tombé grosse, soit il y a une bénédiction au niveau du travail qui est en train de venir. Tu fais à chaque fois ces rêves et à chaque fois que tu fais ce rêve, ça avorte l'opportunité qui est devant toi. Ces réalités spirituelles où le méchant lance une attaque par le rêve, nous déclarons que cela finit au nom de Jésus. Cette fois-ci, tu ne feras plus ces rêves-là. Cette fois-ci, tu ne feras plus ces rêves où tu es en milieu avec ces personnes en train de parler. Cette fois-ci, tu ne feras plus ce rêve où tu es menacé, poursuivi. Cette fois-ci, c'est toi qui vas les poursuivre au nom de Jésus. Cette fois-ci, c'est toi qui vas les poursuivre au nom de Jésus. Cette fois-ci, c'est toi qui vas les poursuivre au nom de Jésus. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, des fois dans nos rêves, nous voyons des sentences spirituelles qui sont arrêtées dans le monde des esprits. Okay. Des fois dans le rêve, tu vois que tu as fait un accident. Tu te réveilles. En fait, cela veut seulement dire qu'il y a un accident qui se prépare devant toi. Il y a des jugements qui sont arrêtés comme ça. Tu fais un rêve, tu vois que tu t'es embrouillé avec ton fiancé, vous vous êtes séparés. Alors que vous vous entendez bien, trois mois après, vous vous embrouillez aussi, vous vous séparez. Tu fais un rêve, tu vois que ton mari est licencié. Il a un problème avec son chef et puis on le félicite et puis il rentre à la maison. Deux mois après, deux semaines après, la même réalité est en train de se passer. On t'apprend, ton mari t'apprend que ces temps-ci, je suis combattu au travail. Tu te dis, j'avais fait un rêve comme ça, où il y avait, l'histoire doit finir, que tu dois être licencié. Il y a des jugements sataniques, spirituels qui sont arrêtés comme ça. Où tu rêves que tu as fait des pertes de grossesse. Où tu rêves, tu n'es pas encore marié, mais quelqu'un te dit que lorsque tu te marieras, ton premier enfant mourra. Tu vois des sentences et des jugements arrêtés, mais qui te sont annoncés par des rêves et par des songes. Nous allons les briser au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas briser tout jugement spirituel manifesté au travers des songes. Que tout ce qui a été arrêté dans le monde des esprits, qui a été libéré, mais que tu as rêvé par un songe, nous sommes en train de le briser au nom de Jésus. Tu ne divorceras pas, Amen. Ton enfant ne mourra pas, Amen. Tu ne perdras pas ce travail, Amen. Tu ne perdras pas ce visa, Amen. Tes documents ne se perdront pas. Yes. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Au nom de Jésus, j'ai la Bible dit, toutes les gens qui s'élèvent en justice contre moi, je les condamnerai. Oh yes. Je déclare au nom de Jésus, oh yes. Je viens condamner. Oh yes. C'est l'homme qui s'élève contre moi, je viens condamner. Toutes les visions qui s'élèvent contre moi, je viens condamner. Oh yes. Tout projet qui s'élève contre moi, contre ma femme, contre mes enfants, contre mon travail, tout projet qui s'élève contre mes affaires, tout projet qui s'élève contre ma ministère, tout projet qui s'élève contre mon travail, contre mon voyage, au nom de Jésus, je viens le briser, je viens briser cela, je viens renverser ces hôtels bâtis contre moi, je viens renverser ces hôtels bâtis contre moi, au nom de Jésus Christ, cela n'aura pas de feu, cela n'aura pas de feu, cela n'aura pas de feu, la Bible me garantit en disant, toute arme forgée contre vous sera nulle sans effet. Je déclare et proclame que cela n'aura pas de feu. Cela n'aura pas de feu sur la vie de mes enfants. Cela n'aura pas de feu sur la vie de ma femme. Cela n'aura
pas de feu sur le travail de ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la mort n'entrera pas. Oui. La maladie n'entrera oui. pas. Les accidents n'entreront pas. Au nom de Jésus. Nous arrêtons ce rêve-là au nom de Jésus. Ce jugement spirituel, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Tu ne diras pas à l'hôpital comme tu fais ce rêve-là. On ne te fera pas cette intervention chirurgicale comme tu le rêves. Dieu va te délivrer. Tu ne perdras pas cette relation. Tu ne perdras pas cet enfant. L'Éternel est en train de briser ses jugements spirituels. Cette famille ne va pas se diviser. Tu ne divorceras pas au nom de Jésus. Tu ne divorceras pas au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prier, Pasteur Patrick, permettez-moi de le dire. Oui, Papa Christopher. Quelqu'un qui est en ligne, suit. Mais depuis un moment, il est en train de rêver un de ses parents appelé. Mais seulement, je vois que l'un de ses parents en question est déjà décédé. Il est déjà décédé, yes. Il est déjà décédé. Depuis un moment, tu es en train de voir comme ses parents t'appelaient. Et depuis un moment, tu as commencé à développer des pensées suicidaires. Amen. Tu te vois comme connaître un accident et qui t'a conduit à la mort. Tu te vois dans des scènes de deuil. Oh, yes. Dieu me dit, avec la permission de Pasteur Patrick, qu'on prenne un moment, on va prier, nous allons nous opposer contre l'esprit de la mort. Oh, yes. Nous allons refuser tout appel de la mort qui de la vie de nos femmes. Hey. Nous allons monter en prière au nom de Jésus. Je viens refuser la mort dans ma vie. Oh yes. Je viens refuser la mort dans la vie de. Oh yes. Je viens refuser la mort dans la vie de. Oh yes. Je n'enterrerai pas cette année. Mes enfants ne mourront pas. Ma femme, mon mari ne mourront pas. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de mort est vaincu. Tu ne perdras personne cette année. Tu n'enterreras pas un enfant cette année. Cet enfant qui est à l'hôpital, il ne va pas partir. Vous, tu m'entends? Vous m'entendez? Il ne va pas partir. Dieu va le garder et le protéger. Shakadaya, Rekadaya, Zivarakadaya, Ropebolakadaya, Repalekadaya Daya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous arrachons cet enfant entre les mains de ces personnes. Il ne va pas mourir au nom de Jésus. Il ne va pas mourir au nom de Jésus. Il ne va pas mourir au nom de Jésus. Shatalabarababa. Alléluia. Yes. Il est temps que tu prennes le dessus sur ces personnes qui viennent te menacer la nuit. Amen. Cette fois-ci, c'est toi qui vas les poursuivre. Cette fois-ci, c'est toi qui vas les menacer. Cette fois-ci, c'est toi qui vas les étrangler. Yes. Le rêve ne s'arrêtera pas et puis tu te réveilles en sursautant. Cette fois-ci, tu vas rentrer dans les rêves. Tu vas taper, tabasser. Ensuite, tu te réveilles calmement et tranquillement. Alléluia. Fini le temps où tu te réveilles angoissé, tu te réveilles stressé, tu te réveilles énervé parce qu'on t'a menacé la nuit. Il est temps que eux aussi se réveillent angoissés, stressés, énervés, humiliés parce que le Dieu Tout-Puissant marche avec toi. Nous allons déclarer que dans nos rêves et dans nos songes, aucun esprit mauvais ne prendra le dessus sur moi. Est-ce que tu peux le déclarer? Aucun esprit mauvais ne prendra le dessus sur moi. Aucun esprit mauvais ne prendra le dessus sur moi. Aucun esprit mauvais ne prendra le dessus sur moi. Aucun esprit mauvais ne prendra le dessus sur moi. Aucun esprit mauvais ne prendra le dessus sur moi. Aucun esprit mauvais ne prendra le dessus sur moi. Il est temps que sur tes rêves, dans tes rêves et dans tes songes, yes, qu'aucun esprit mauvais ne puisse prendre le dessus sur toi. Yes. Ne prenne le dessus sur tes enfants. Amen. Ne prenne le dessus sur ta femme. Amen. Ne prenne le dessus sur ton mari. Amen. Est-ce que tu peux le déclarer maintenant au nom de Jésus? Déclare-le que personne ne prendra le dessus sur toi. Au nom de Jésus, personne ne prendra le dessus sur toi. Baba. Prendra le dessus sur, hey, sur mes enfants, sur ma femme, sur mon travail, sur mes projets. Aucun esprit maléfique ne prendra le dessus sur moi. La Bible me dit, je suis la tête devant la queue. J'aurai de la supériorité. Je serai la tête. Je suis la tête. Yes. La tête. Yes. La tête. Yes.
promesse. Aucun esprit mauvais ne prendra le dessus sur toi, maman. Aucun esprit mauvais ne prendra le dessus sur toi, papa. Au nom puissant de Jésus. 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 Ce mari de nuit et cette femme de nuit ne prendra pas le dessus sur toi maintenant. Cette fois-ci, c'est toi qui vas le chasser, qui va la menacer. Et tu vas sortir de cette forêt cette fois-ci. Ton rêve ne s'arrêtera pas, tu demeures dans cette forêt. Ce rêve s'arrêtera, tu vas trouver le chemin et tu vas sortir de l'eau. Tu vas sortir de la forêt, tu vas sortir de cette école, tu vas sortir de ce bâtiment. Particulièrement, je suis en train de voir une personne. Vous aviez fait un rêve, comme si on vous avait fait quelque chose de mal. Et le matin ou les jours qui ont suivi, vous avez senti qu'une maladie avait commencé. Une maladie avait commencé. Mais vous-même, vous savez, vous êtes convaincu que c'était à partir de ce rêve-là. Que depuis que vous avez fait ce rêve-là, telle chose a commencé à se passer au niveau de mon corps. Vous sentez que c'est une maladie. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de guérir et de déclarer, Docteur Saint-Esprit, sous l'onction de notre Père, le pasteur Dédé Landou, que toute maladie d'origine spirituelle qui provient des rêves et des songes, au nom puissant de Jésus, nous déclarons guérison au nom de Jésus. Guérison au nom de Jésus. Guérison au nom de Jésus. Oui, pasteur Gauthier. Pasteur Patrick, cette histoire de songes est tellement terrible. Et que Jésus soit glorifié, lui qui visite son peuple. Alléluia. Il y a un bien-aimé qui nous fait parvenir sa réaction en disant ceci. Il y a maintenant 2 semaines, j'ai eu des attaques nocturnes. Et le matin, en me réveillant, je fais une paralysie faciale. Oh Jesus. S'il vous plaît, veuillez prier pour moi. Nous sommes en train de prier au nom puissant de Jésus. Je suis en train de menacer au nom puissant de Jésus cette force occulte qui est en train d'agir. Nous déclarons que vous reprenez l'usage normal et entier et intégral de vos membres. Votre visage est en train d'être restauré. Vos membres sont en train d'être restaurés. Et toute personne qui nous suit, qui avait fait un rêve concernant le travail, concernant la santé, concernant les enfants, et vous sentez que les conséquences ont été immédiates, je déclare au nom de Jésus que ces jugements et ces sentences là tombent au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons maintenant votre délivrance. Amen. Votre guérison. Yes. Votre restauration. Yes. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, vous êtes restauré. Dis avec moi, map, map, ça finira pas marcher, ça finira pas aller, la sombre nuit va passer. Est-ce qu'on peut écrire 5 noms dans les fils de commentaires? Cette affaire de songe, Dieu est en train de restaurer quelqu'un. Est-ce qu'on peut écrire 5 à 10 noms dans les fils de commentaires? 5 à 10 noms dans les fils de commentaires. Vous êtes dans les taxis, sur les motos, nous sommes en train de prier. Oh shakarabalababa. 5 à 10 noms dans les fils de commentaires. Rebalagabernalebalababash. Alléluia. Comme nous l'avions dit tantôt, l'Éternel ne sommeille ni ne dort. L'Éternel, lui, ne sommeille ni ne dort parce qu'il est esprit. Mais l'homme avec lequel il marche, l'homme sommeille et dort. Parce que l'homme doit se recharger, il est comme une batterie. Il doit manger pour avoir plus de force, agir, et après il se fatigue, il remange encore. Voilà pourquoi l'homme est dans l'esclavage de la nourriture. Il doit manger tous les jours jusqu'au jour où il partira. Parce qu'il n'arrêtera jamais de se nourrir. Sinon, ce sera sa fin. C'est comme un téléphone, si vous le chargez aujourd'hui, vous utilisez, vous décidez de ne plus le recharger, il va rester un moment, ensuite il commencera à mettre batterie faible, après il va s'éteindre. Alléluia. Amen. Et parmi les choses qui permettent à l'homme de se recharger, il y a aussi le sommeil. Voilà pourquoi il est important de dormir, c'est aussi lié à la bonne santé. Et l'homme est appelé à dormir, mais le Dieu qui ne dort pas, puisqu'il est la parole, il communique avec les hommes qu'il a créés. Et de plus encore, les enfants qu'il s'est acquis par son sang. Voilà pourquoi pendant le sommeil, Dieu parle toujours. Dieu ne parle pas que le jour, Dieu parle aussi la nuit. Yes. Dieu parle aussi pendant les sommeils. Voilà pourquoi tous les rêves que vous faites ne viennent pas forcément du diable. Certains rêves, certains songes proviennent de l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi il est important que Dieu puisse bénir vos songes. Amen. Si tu me dis que tu ne rêves pas, je
dirais, c'est que Dieu te parle souvent la journée ou il te parle d'une certaine manière. Mais il est important que Dieu, que nos rêves et nos songes puissent aussi être clairs. La Bible déclare que Dieu fit dormir Adam d'un sommeil. Et lorsque Adam dormait, à son réveil, il a trouvé Ève. C'est-à-dire, Dieu était en train de travailler alors que Adam dormait. Okay. Lorsque l'homme dort, ça ne veut pas dire que Dieu aussi dort. Ah. Dieu est en train de travailler. Alléluia. Voilà pourquoi je prie que lorsque vous dormiez, que vous vous réveilliez, que vous trouviez les œuvres et les bontés de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible déclare que chaque jour, il renouvelle ses bontés. Amen. Il le fait chaque matin. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'avant que le matin arrive, l'homme dort. L'homme dort, il se réveille, il trouve les bontés. Yes. Dieu les prépare dans son sommeil. Je prie que dans ton sommeil, que Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Tu dormiras avec des soucis, te disant où est-ce que j'aurai l'argent. La nuit, Dieu va déjà orchestrer comment tu auras cet argent le matin. Lorsque tu te réveilles, vers 9h, tu reçois un coup de fil. Amen. Et c'est là que tu reçois quelqu'un qui te le donne, il te donne un marché. Dieu est en train d'ouvrir la saison des bontés et il passera par ton sommeil. Amen. Jacob, lui, a rêvé dans le livre dans les Pentateuques qu'il voyait une échelle monter et descendre durant son sommeil. Dieu parle aussi pendant le sommeil. Il est important que tu commences non seulement à faire des rêves où on te poursuit, où on t'étrangle, où tu te vois seulement dans l'école, là où tu avais étudié. Il est important que tu fasses aussi des rêves où Dieu te montre les choses qui doivent venir demain par rapport à ta vie. Amen. Où Dieu te montre où tu dois placer ton enfant, quelle étude il doit faire. Doit-il faire scientifique ou littéraire? Dieu te le révèle par le songe. Il est important que par le songe, Dieu commence à te dire « Éloigne-toi de telle personne, ce n'est pas une bonne fréquentation. Et attache-toi à celui-ci. » Il est important que dans tes rêves, Dieu te dise investis ici, n'investis pas là-bas. Investis dans les voitures, n'investis pas dans les habits. Il est important que Dieu puisse aussi te parler et te communiquer dans les rêves. Voilà pourquoi nous allons prier pour que la nuit, nos rêves s'ouvrent. Nous allons prier pour ceux qui oublient souvent les rêves. Cette fois-ci, tu n'oublieras plus tes rêves au nom de Jésus. Amen. Tu n'oublieras plus tes rêves au nom de Jésus. Amen. Déclare-le avec moi, je n'oublierai plus mes rêves au nom de Jésus. Je n'oublierai plus mes rêves au nom de Jésus. Deux. Je n'oublierai plus mes rêves au nom de Trois. Jésus. Je n'oublierai plus mes rêves au nom de non, Jésus. Non, tu n'oublieras plus tes rêves au nom de Jésus. Amen. Finis cette histoire où tu te réveilles le matin, tu te dis, j'avais rêvé, mais je ne sais plus quoi. Hein? Cette fois-ci, Dieu doit te faire revenir ces rêves-là au nom de Jésus. Tu es en train de prier pour que la nuit, le sommeil soit des moments où Dieu te réveille, yes. Où Dieu te parle, yes. Où Dieu te révèle, où Dieu te garde, où Dieu te parle de ces choses. Est-ce qu'on peut prier au nom puissant de Jésus? Seigneur, nous prions que le moment de nos sommeils. Yes. Il parle par des sommeils, yes. Par des visions nocturnes. Yes. Seigneur, je prie au nom Shekalabo de Jésus. Que ce temps soit un temps de communion avec toi. Que le moment de sommeil soit un temps de communion avec toi. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, sers-toi de mon sommeil pour s'aimer des visions. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, sers-toi de mes sommeils pour me parler. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, sers-toi de mes sommeils Jesus. Pour déposer les visions de mes mains. Au nom de Jésus, parle-moi au Dieu. Je m'ouvre à toi pendant mes sommeils. Yes. Je m'ouvre à toi pendant mes temps de repos. Je m'ouvre à toi. Je laisse mon esprit disponible à toi. Sème des visions, sème des projets. Sème, oh Dieu. Nous te prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu qui a visité Jacob pendant son sommeil. Le Dieu qui a fait voir à Jacob l'échelle. Oui. Dieu peut te montrer l'université dans laquelle tu dois étudier. Dieu peut te montrer dans quel pays tu dois voyager. Dieu doit te montrer dans quelle commune tu dois aller habiter. Dieu peut t'éclaircir sur quelle direction prendre par rapport à ton ministère. Quelle direction prendre par rapport à tes études. Dans quoi tu dois acheter. Tu dois acheter cette voiture ou pas. Dieu peut te dire non, ne laisse pas ce travail ici. Prends celui-ci par le rêve. Tes rêves sont des sources de communication. Dieu peut te parler par les rêves. Voilà pourquoi bénis tes rêves. Que Dieu te parle au travers des rêves. Que Dieu te montre des instructions au travers des rêves. Que Dieu t'éclaire au travers des rêves. Que Dieu te montre et te fasse voir les choses au travers des rêves. Tu n'oublieras plus tes songes au nom de Jésus. Tu n'oublieras plus tes songes au nom de Jésus. Tu n'oublieras plus tes songes au nom de Jésus. Tu n'oublieras plus tes songes au nom de Jésus. Tu n'oublieras plus tes songes au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut partager, écrire 5 noms dans le fil de commentaires? 5 noms
5 dix noms dans le fil de commentaires. Dieu est en train de restaurer les rêves, les songes de quelqu'un. Dieu est en train de l'emmener à une dimension supérieure. Dieu est en train d'emmener dans une dimension supérieure. Dis avec moi, valeur du royaume. Valeur du royaume. Dis avec moi, valeur du royaume. Valeur du royaume. Dis avec moi, valeur du royaume. Valeur du royaume. Aujourd'hui, je ne sais pas, Dieu me dirige toujours par rapport aux rêves et aux songes. Nous allons prier valeur du royaume par rapport aux songes et aux rêves. Ok. La Bible déclare Proverbe 19, le verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Ok. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Proverbe 19, le verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Certaines fois, on est visité par le malheur parce que la crainte de l'Éternel n'est pas notre partage. Okay. C'est ce que ce texte veut dire. Que celui qui craint l'Éternel vivra des nuits sans être visité par le malheur. Lorsque dans ton sommeil, tu es souvent visité par des esprits mauvais, regarde aussi si tu crains l'Éternel ou pas. Parce que cela ouvre une brèche pour que la nuit tu sois visité par des esprits mauvais, que tu fasses des rêves bizarres parce que tu ne crains pas le Seigneur. Yes. Voilà pourquoi, si tu veux que tu puisses arrêter les mauvais rêves, marche aussi dans la sanctification. Amen. Marche aussi dans la crainte de Dieu. Amen. Évite d'insulter. Amen. Évite de maudire. Évite de prendre l'argent d'autrui. Évite de colporter. Évite de sortir avec deux maris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mari d'autrui n'est pas ton mari. Yes. Nous allons prier pour la sanctification, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel fait que nous ayons des sommeils doux et paisibles. La crainte de l'Éternel fera que tu aies des sommeils tranquilles. Tu es menacé parce que toi-même tu ouvres une brèche, tu sors avec le mari d'autrui, tu sors avec un homme marié. C'est tout à fait normal que ces choses-là t'arrivent. C'est tout à fait normal que tu fasses ces rêves-là. Tu as confisqué de l'argent à autrui. Dans cette part d'affaires, vous vous étiez dit, moi je prendrai 30%, toi tu prendras 70%. Car l'argent est venu, tu as caché les vrais chiffres. Toi tu as pris 50% et tu l'as dit, ils n'ont donné que ça. Tu as ouvert une brèche toi-même. Il y a certaines choses, c'est le manque de sanctification qui ouvre la brèche pour que notre nuit soit tourmentée. Alors nous allons prier pour la sanctification. Tu vas prier pour ce péché-là toi-même, tu sais. Tu vis avec cet enfant à la maison, c'est l'enfant de ton oncle. L'oncle est mort, c'est toi qui l'héberge à la maison. Mais manière tu maltraites cet enfant. La crainte de l'Éternel, maman, la crainte de l'Éternel. Nous allons prier pour la crainte de Dieu. Que Dieu nous donne d'éviter le péché. Que Dieu te donne de marcher dans la pureté, dans la sanctification. Que la crainte de Dieu soit notre modèle. La crainte de Dieu fera que tu puisses dormir paisiblement. Alors, on est en train de prier, demander à Dieu de nous aider de vaincre le péché. Seigneur, donne-moi de vaincre le péché. Donne-moi de vaincre cette faiblesse-là. Amen. Donne-moi d'aimer et de pardonner les autres. Yes. Donne-moi de pardonner, Seigneur. Nous sommes en train de prier, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à être quelqu'un qui pardonne, qui oublie les fautes. Aide-moi à arranger si je dois arranger. Aide-moi à être correct dans les affaires. Aide-moi à être correct dans les deals. Aide-moi à être correct avec mes enfants. Aide-moi à être un bon père. Que j'abandonne l'alcool. Que je ne m'enivre plus. Que j'abandonne la drogue. Que tu abandonnes ce milieu-là que tu fréquentes, ces boîtes de nuit. Tu es en train de prier pour dire, Seigneur, donne-moi de marcher dans la sanctification. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Seigneur, donne-moi de me détacher de la pornographie. Oh Jésus. Donne-moi de me détacher de la cupidité. Hey, donne-moi de me détacher du mal. Hey, donne-moi de me détacher de ces péchés chéris. Donne-moi de me détacher de ces faiblesses. Oh yes. Donne-moi de me détacher, oh Dieu, de l'alcool. Donne-moi de me détacher de la corruption. Donne-moi de me détacher, oh Dieu. Je prie au nom de Jésus. Donne-moi la force. La Bible dit, quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde du péché. Convainc-moi du péché, afin que je me détache. Convainc-moi du péché.
péché. Oh, que je me détache. Celle je ne peux pas. Celle je n'arrive pas. Mes disciplines ne sont pas en mesure. Seigneur, voilà pourquoi j'écris à ton esprit. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, donne-moi de vaincre ces péchés. Donne-moi de vaincre ce mauvais cœur. Donne-moi de vaincre, oh Dieu, ces colères exagérées. Donne-moi de vaincre, oh Dieu, la cupidité. Donne-moi de vaincre, oh Dieu, la médisance. Donne-moi de vaincre, oh Dieu, les colportages. Donne-moi de vaincre, oh Dieu, les fausses accusations. Donne-moi de vaincre, oh Dieu, oh la masturbation. Donne-moi de vaincre, oh Dieu, l'adultère. Donne-moi de vaincre l'alcoolisme. Donne-moi de vaincre ces choses. Jésus, oui, donne-nous de marcher dans la sanctification de la crainte de ton nom. Nous refusons l'alcoolisme. Nous refusons les gris-gris. Nous refusons ces choses au nom de Jésus. Nous refusons l'idolâtrie. Nous refusons le mensonge. Ô Père, éloigne de nous ces choses. La crainte de ton nom. La crainte de ton nom. La crainte de ton nom. Donne-moi de marcher dans la vérité. Je sais que cette grossesse, c'est papy qui me l'avait donnée. Ce n'est pas Hervé. Mais toi, tu commences à dire, c'est papy qui me l'a donnée. Seigneur, donne-nous de marcher dans la sanctification. Dans la crainte de ton nom. Jésus, 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 Jésus. Chaka baba 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 baba. Jésus, la crainte de ton nom. 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 Jésus, la sanctification. Tota molana kobanga Nzambe. Tota molana kobanga Nzambe. Tota molana kobanga Nzambe. Pour que nos nuits soient sécurisées. Pour que nos nuits soient paisibles. Pour que nous ne soyons pas tourmentés par des rêves bizarres. Il faut que nous marchions dans la crainte de Dieu. Il faut que nous marchions dans la crainte de Dieu. L'issou mouné fungo la rapporte. Le péché ouvre la porte. L'issou mouné fungo la rapporte. Le péché ouvre la porte. L'issou mouné fungo la rapporte. Le péché ouvre la porte. Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Chaka baba 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 baba. Oui, valeur du royaume. Alléluia. Pasteur Patrick, toujours dans ce même sens du valeur du royaume, j'aimerais lire Job chapitre 33, je prends le verset 15 et le verset 16. Job, c'est la Bible dit, il, Dieu, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur coucher. Mais j'aime le verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met les sons à ses instructions. Dieu donne des avertissements pendant le sommeil. Je me redis à quelqu'un, avec ses péchés, Dieu t'a déjà donné des avertissements. À propos de ses péchés, Dieu t'a déjà parlé pendant le songe. Tu as déjà rêvé, Dieu te menaçait même pour laisser ce mari d'autrui. Dieu t'a déjà menacé pour laisser ces femmes d'autrui, cette femme d'autrui. Dieu t'a déjà menacé même pour arrêter avec ses péchés. Oh yes. Mais tu continues à persister. Dieu m'a dit de te dire, Dieu ne veut pas t'exposer. Voilà pourquoi il t'appelle avec humilité afin d'arrêter avec ses péchés. Oui. Pendant ces sommets, Dieu t'a déjà parlé. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on prie dans ce même sens, dans ce même sens avec le valeur du royaume. Seigneur, donne-moi d'obéir à tes instructions pendant le sommeil. Oh yes. Donne-moi d'obéir à ces avertissements donnés pendant le sommeil. Tu m'as déjà parlé, tu m'as déjà dit que d'arrêter avec ces péchés. Mais je persiste. Oh Seigneur, parle-moi, donne-moi la force d'arrêter. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, par tes avertissements, donne-nous la force d'arrêter. Peut-être que tu as rencontré un fou en cours de route qui t'a parlé. Peut-être que c'est un conseil, c'est une amie, c'est un collègue, c'est un parent qui t'a conseillé. Mais tu as fait fi de ça alors que c'était Dieu qui parlait. Peut-être que c'est ta conscience qui t'a rappelé que ce que tu fais est mal, mais tu t'es entêté. Peut-être que c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Arrête, cela est un péché, parce qu'il nous convainc du péché. Mais tu as résisté et tu as attristé le Saint-Esprit. Que tu tiennes compte des avertissements. Des fois, toi-même, tu as déjà commencé à voir les signes que
cette affaire ici telle que c'est en train de se déceler, que Koinda Kalamingite, que secret Kobima, très bientôt il y aura que secret Kobima, que je suis dans l'inceste, que secret Kobima, la famille, que je sors avec quelqu'un que ma femme va découvrir. Tu es en train de sentir les signes que le secret va être dévoilé d'ici peu. Pourquoi tu décides encore de persister? Que Dieu te donne de briser cela au nom de Jésus. Abandonne cette voie au nom de Jésus. Abandonne cette voie au nom de Jésus. Même pour ceux qui vous vous entêtez, que vous demandiez pardon, que vous vous repentiez. Parce que Dieu veut que vous sortiez de cette vie. Oui, pasteur Gauthier. Pasteur Patrick, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié pour ce midi en prière. Gloire à Dieu. Dont les points de prière sont tellement bénissants et que son nom seul soit glorifié. Il y a tellement de réactions qui nous parviennent, pasteur Patrick. Nous avons sélectionné quelques deux réactions. Eh bien, il y a une bien-aimée qui nous fait parvenir sa réaction quant à la parole de connaissance que vous avez libérée tout à l'heure à une personne qui a vu en songe que quelque chose de mal s'était passé et depuis lors, une maladie physique lui est arrivée. Il y a une bien-aimée qui nous dit ceci. J'avais ressenti une nuit pendant que je dormais comme si quelqu'un m'avait touché au dos. Et le lendemain, je ressentais des douleurs au dos, mais ça fait maintenant 2 semaines, j'ai de plus en plus mal et n'arrive même pas à dormir. Merci parce que Dieu me visite et me guérit. Amen. Une autre réaction, il y a une bien-aimée qui nous fait parvenir en disant, la nuit je rêvais que je tuais un serpent. Ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, alors que nous sommes en train de prier, un serpent vient de sortir de sa chambre. Et elle vient de le tuer. Elle renchérit en disant gloire à Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus que cette victoire que vous avez acquise par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu l'atteste et Dieu le témoigne au nom de Jésus. Lorsque Dieu vous fait rêver cette victoire, que vous la voyez au nom de Jésus. Tu as rêvé que tu t'es vu voyager, tu vas voyager. Même si ça complique, tu vas voyager. Tu as rêvé que tu t'es marié avec ses fiancés, même si ça commence à compliquer. Dieu va accomplir ses desseins au nom puissant de Jésus. Je déclare que les victoires qui nous sont annoncées par les songes sont acquises et personne ne nous les arrachera de nos mains au nom puissant de Jésus. Pour la sœur qui est en train de souffrir, qui a parlé de ce rêve où elle a senti quelqu'un avait touché son dos, nous sommes en train de déclarer maintenant, même pour ceux qui n'ont pas fait des rêves, mais vous souffrez seulement d'une quelconque maladie, mais vous savez que cette maladie est d'origine spirituelle, elle est d'origine démoniaque, soit c'est le fruit des paroles de malédiction, soit c'est à cause du travail, du poste que vous occupez, soit vous savez seulement que c'est le fruit d'une réalité spirituelle. Je suis en train de déclarer maintenant, sous l'onction de notre père, le pasteur Dédé Landou, je déclare au nom de Jésus que toute maladie d'origine démoniaque, au nom puissant de Jésus, maladie va-t'en, 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 nous le déclarons au nom de Jésus. Déclare avec moi, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. 2. Je suis guéri au nom de Jésus. 3. Je suis guéri au nom de Jésus. 4. Je suis guéri au nom de Jésus. 5. Je suis guéri au nom de Jésus. 6. Je suis guéri au nom de Jésus. 7. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que la guérison soit fasse partie de votre vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu guérisse votre maison. Que Dieu guérisse des paralysies. Amen. Que Dieu guérisse des problèmes de dos. Amen. Que Dieu guérisse des problèmes de jambes. Amen. Des articulations. Que Dieu guérisse les reins. Amen. Qu'il guérisse les intestins. Amen. Qu'il passe au niveau du foie. Yes. Qu'il visite le cœur. Ah. Qu'il aille au niveau des muscles. Amen. Qu'il aille au niveau du cou. Amen. Qu'il guérisse des yeux. Yes. Ce problème dentaire fini. Yes. Ce problème d'otite est fini. Yes. Ce problème de maux de tête, maux de ventre est restauré. Yes. Ce problème des muscles est restauré. Yes. Dieu est en train de guérir le corps intégral maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Que Dieu le fasse et que sa guérison soit votre partage. Que sa guérison soit votre partage. Nous allons prier pour Goma. Nous allons prier pour l'est de notre pays. Nous allons prier pour que Dieu étende sa main. Amen. Que Dieu puisse stabiliser les tremblements. Yes. Nous étions ici avec notre Père.
qui parlait, qui priait, je crois que c'était la semaine passée. Le jeudi, nous avons prié pour le pays. Nous avons prié pour Goma. Et nous allons encore continuer de le faire. Et je sais que Dieu a accordé une grande délivrance. Amen. Nous allons prier pour que les tremblements s'arrêtent. Amen. Nous allons prier pour que Dieu sécurise et garde. Yes. Nous allons prier pour la paix. Nous allons prier pour les familles qui se sont déplacées, qui sont peut-être en train de quitter une ville vers une autre en ce moment. Nous sommes en train de prier pour que Dieu les garde. Des fois, ils sont en cours de route, ils n'ont pas pu prendre tout, juste le nécessaire. Ils ne savent même pas lorsqu'ils arriveront de l'autre côté, ils vivront de quoi. Il faut aussi que de l'autre côté, lorsqu'ils arriveront, que l'hospitalité de ceux qui les accueillent puisse se manifester. Que Dieu puisse toucher et que les autres soient hospitaliers. Yes. Ils le reçoivent dans leur maison. Ils le reçoivent dans leur véranda. Qui est la solidarité. Yes. Que quelqu'un puisse partager son pain avec quelqu'un d'autre. Qui puisse partager son nom avec quelqu'un d'autre. Yes. Nous sommes en train de prier pour tout ça. Réclamons cela dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous pensons pour nos frères. Oh Dieu, nous prions à leur faveur. L'intercession victorieuse. Oh Dieu, nous pensons à eux. Étends ta main guérie. Étends ta main soutien. Étends ta main console. Étends ta main fortifie. Étends ta main guérie. Oh Jésus, pense aux mamans qui ont perdu leurs enfants. Pense aux enfants qui ont perdu leur mère. Pense aux parents qui ont perdu leurs enfants. Oh Dieu, nous te prions. Tu es le Dieu qui console. La Bible dit que tu es le maître de temps des circonstances. Tu es l'auteur de toutes choses. Nous revenons à toi. Oui, console, Seigneur. Protège la ville, sécurise. Arrête ces tremblements au nom de Jésus. Protège ceux qui sont en train de se déplacer. Sécurise et garde les familles en déplacement. Lorsqu'ils arriveront, Seigneur, garde et protège les familles. L'hospitalité au Saint-Esprit. Une hospitalité. Touche pour que les cœurs soient plus hospitaliers que possible. Nous réclamons ta main au nom de Jésus. Protège et garde la ville. Sécurise par ta main puissante. Ta paix à l'est du pays. 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 Oui, ta paix, ô Jésus. Ta paix, ô Jésus. Soutiens les familles. Soutiens les familles. Soutiens les couples. Seigneur, protège la ville. Protège les villes. Nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta main. L'Éternel ne sommeille ni ne dort pour Goma. L'Éternel ne sommeille ni ne dort pour notre pays. L'Éternel ne sommeille ni ne dort pour notre pays. Est-ce que quelqu'un peut écrire 5 à 10 noms dans les fils de commentaires? 5 à 10 noms dans les fils de commentaires. Chata la barababaya. Répa la barababababababababashi. Répa la barababasi. Dis avec moi, map. Map. Ça finira par marcher. Ça finira par aller. La sombre nuit va passer. Ce vendredi, à partir de 15h30, nous serons là à l'église Marc en présentiel. Nous serons ici. Ce sera une réunion publique. À partir de 15h30 à l'église Marc, référence rond-point Kimpwanza. Nous serons là sur croisement Asso Salopori 87. Nous serons là à partir de 15h30 jusqu'à 19h. Et le thème, finit la servitude. Si vous voulez voir la servitude finir, soyez avec nous ce vendredi. Je sais que Dieu va faire du bien à une personne, à une famille, à des amis, à des personnes qui se connaissent. Soyons là, mais nous serons aussi sur live connectés. Nous serons en présentiel à partir de 15h30 ici à l'église Mac. Et Dieu va ouvrir le ciel et nous allons témoigner de sa grâce et de sa faveur. Nous allons prier toujours le psaume 6 à partir du verset 7. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Il dit, mais j'ai le visage usé par le chagrin. Donc, Elonginange bete limoni na ko bete les arana Bible. Il dit, j'ai le visage usé par le chagrin. Elonginange bete li. J'ai le visage usé. Il dit maintenant, tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Donc, bazoko misanga koko. Non, azonuna, à cause de la passe. Voilà, il vieillit à cause de la douleur, à cause de la souffrance. Nous sommes à la rencontre de la Bible. Tout est dans la Bible. David est en train de dire que passe les qui tellement
que bato bazo salanga mabe bazo nunisanga avant. David est en train de dire tellement de douleurs, tellement de souffrances que ceux qui me persécutent vieillis, je vieillis à cause de mes persécuteurs. Ozambu taliboso robete la terre. Tu n'es pas le premier à vieillir. David pe ariskara robete là. David aussi est passé par là. Mais Dieu l'a soutenu et il a fait de lui roi d'Israël. Yes. Voilà pourquoi Dieu va aussi te soutenir. Yes. Même si tu commences à voir comme si botangwezo kende. Même si tu commences à constater que tu n'as plus d'éclat, Dieu est en train de te restaurer au nom de Jésus. Amen. Le verset 7, il dit ceci. Je m'épuise à force de gémir chaque nuit. Ma couche est baignée de larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Vous savez ce qui se passe aussi la nuit, avant que l'homme ne puisse dormir ou les réalités du sommeil, c'est que le diable en profite pour venir semer les pressions, des douleurs et des inquiétudes. Voilà pourquoi quelqu'un peut être avec les gens la journée, il sourit. Quand il entre dans sa chambre la nuit, il commence à pleurer. Parce que avant que le sommeil ne vienne ou pendant la nuit, les pressions de la vie viennent aussi se poser sur quelqu'un la nuit, avant son sommeil sur le lit. Okay. Le sommeil est aussi un moment de pression, soit avant ou après, pour que quelqu'un fasse la récapitulation de sa journée, de sa vie, mais qu'il ne se concentre que sur les choses qui ne marchent pas, ou qui le prennent plus d'attention, et qu'il ait des soucis ou des pleurs conformément à la réalité qu'il est en train de passer. Les nuits sont aussi des moments où les pensées des hommes sont oppressées, afin qu'ils soient des personnes qui ont le doute sur Dieu, qui ont des inquiétudes, qui commencent à pleurer et à se lamenter. Les nuits sont aussi des moments de pression, sont aussi des moments de doute, pour que quelqu'un puisse ressentir cela. Nous allons prier pour nos nuits. Yes. Que Dieu nous donne de dormir avec la foi et la sérénité en Dieu. Amen. Nous allons prier pour nos nuits. Que nous arrêtions de pleurer sur nos lits. Que nous arrêtions de pleurer sur ce mari qui est parti. Yes. Que nous arrêtions de pleurer sur ce fiancé qui est parti. Yes. Que nous arrêtions de pleurer sur ce licenciement. Yes. Que nous arrêtions de pleurer sur cet enfant. Vous savez, la nuit, le diable vient semer sa pression, non pas pour nous pousser à prier, mais pour nous pousser à nous lamenter, à pleurer, à nous inquiéter et à dormir avec plein de soucis. Il est temps que tu dormes sans souci et sans stress. Amen. Il est temps que tu dormes sans inquiétude. Amen. Les pressions viennent la nuit avant que nous dormions. C'est là avant de dormir que les souvenirs t'assaillent. Les souvenirs blessants t'assaillent. Les paroles qu'on t'a dites la journée blessante reviennent seulement avant que tu dormes, la nuit, lorsque tu es sur le lit. Ce conflit-là entre vous dans le couple, c'est seulement quand vous êtes sur le lit qu'elle commence à pleurer. Ce que tu avais fait là, c'est seulement sur le lit. Nous allons prier pour cela au nom de Jésus. Ces choses-là reviennent sur le lit et la nuit avant de dormir. Les pressions de la vie, les soucis. Nous sommes en train de briser cela. Oh Jesus, nous sommes en train de briser cela. Nous sommes en train de refuser cela. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Seigneur, nous refusons le poids de la journée qui se manifeste la nuit. Le poids négatif de la journée qui se manifeste la nuit. Des insultes, des Jésus, des rejets, des abattements. Oh yes. Oh Dieu, nous refusons ce poids. Au nom de Jésus, nous déclarons que nos nuits, oh Dieu, seront des nuits paisibles. Nous déclarons, oh Dieu, que ce sera des nuits paisibles. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons au nom de Jésus que nous ne pleurerons plus sur notre coucher, que nous ne pleurerons plus sur nos lits, que nous ne pleurerons plus quand tu consoleras désormais nos cœurs, car nos cœurs seront consolés. Oh Jésus, oh Jésus, cette fois-ci tu ne pleureras plus sur ton lit au nom de Jésus. Tu ne pleureras plus au nom de Jésus. Tu ne pleureras plus au nom de Jésus. Toi tu es en confinement, mais tu passes ton confinement qu'à pleurer et à pleurer et à pleurer. Que Dieu te console. Que Dieu te console de la perte de cet être cher. Que Dieu te console de la perte de ce membre de famille. Que Dieu te console de cette perte, de la perte de cette relation amoureuse. Que Dieu te console du divorce de tes parents. Parce que tu passes ton temps à dormir, à pleurer et à te lamenter la nuit. Que
Dieu te console de ce perte-là d'argent, de cette escroquerie. Amen. Que Dieu te console de la personne en qui tu avais le plus confiance, qui t'a trahi, qui t'a escroqué, qui t'a volé de l'argent ou qui est en train de salir ta réputation. Que Dieu te console. Que Dieu te console au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te console au nom de Jésus. Amen. De ces paroles qu'on te dit, parce que jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore d'enfant. Voici, tu dors, tu pleures, tu te lamentes, tu pleures à cause de cette perte de grossesse, tu pleures. Que Dieu te console, maman. Que Dieu te console, jeune fille. Yes. Que Dieu te console, papa. Yes. Que Dieu te console. Que ta nuit soit des nuits de joie. Amen. Que ton lit puisse goûter à ton sourire. Que ton lit puisse goûter à ta foi. Amen. Que ton lit puisse goûter à des paroles encourageantes. Yes. Que ça ira, ça tiendra. Yes. Et que Simba, Naroba la caca. Ça ira, je me marierai toujours. Que ton lit puisse aussi goûter ces choses. Yes. Nous nous levons contre les puissances de l'aggravation qui viennent la nuit. Amen. Pour pousser quelqu'un à avoir des soucis. Et quand il se réveille le matin, il n'a plus le goût d'affronter la journée. Il n'a plus la force d'affronter la journée. Il n'a plus la force de prendre des démarches pour aller déposer le dossier quelque part. Il n'a plus les démarches même pour prier, pour demander à Dieu cette signature par rapport à ce document. Parce que toute sa force, tout son courage est parti la nuit avant qu'il ne dorme. Yes. Toute sa force, sa joie de la journée est partie la nuit. Il se réveille le matin triste. Tout le monde constate qu'il y a sûrement un problème ici. Parce que généralement, il parle. Elle est enthousiasme. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose. Que Dieu puisse restaurer votre harmonie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Okay. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'il le fasse. Oui, pasteur Gauthier. Oui, pasteur Patrick, nous bénissons le Seigneur pour ce jour combien glorieux. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Alléluia. Il y a tellement de réactions par rapport au point de prière, à toutes les requêtes qui sont données tout à l'heure. Eh bien, il y a une bien-aimée qui nous fait parvenir sa réaction en disant, je viens confirmer la parole de l'homme de Dieu. Il a dit qu'il y a des gens qui sont à l'étranger mais qui rêvent toujours, qui sont au pays. Il dit ceci, c'est mon cas. Je suis en Afrique du Sud, mais je rêve souvent que je suis dans la maison de mes parents. Et à chaque fois que je m'engage pour le mariage, je rêve de ma grande sœur qui ne veut pas que je me marie. Et après quelques jours, l'homme me quitte. Je crois qu'à partir de cette prière, Dieu me délivre au nom de Jésus-Christ. Tellement de réactions, pasteur Patrick. Et nous bénissons le Seigneur qui est en train de délivrer son peuple. Il y a une autre réaction qui nous parvient. Une bien-aimée dit ceci, toujours par rapport au même cas, il dit, elle est congolaise mariée à un bien-aimé d'une certaine nationalité africaine, mais il dit ceci, je rêve toujours que je suis à l'école primaire ou secondaire. Puis mon mari aussi, il a toujours rêvé qu'il pleure, puis il se réveille avec les larmes plein les yeux, ou pendant ses rêves, il se retrouve toujours au village. Avant-hier, il a rêvé qu'il était en train de balayer le tombeau de son père. Puis, dans les rêves, on lui dit qu'il doit balayer autre tombeau. Il a toujours rêvé de son père qui est déjà décédé. Une prière après cela, tellement de réactions. Mais par rapport, nous préférons ne citer que quelques ces deux-là. Nous allons prier au nom puissant de Jésus par rapport à ces rêves que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous accorde par la puissance du Saint-Esprit, sous l'onction de notre Père, le pasteur Dédé Landou, la guérison totale et la délivrance totale au nom de Jésus. Nous déclarons que cette fois-ci, vous ne ferez plus ce genre de rêve. Nous déclarons que cette fois-ci, vous ne ferez plus jamais ce genre de rêve. Nous déclarons que cette fois-ci, vous ne ferez plus jamais ce genre de rêve. Par la puissance du Saint-Esprit, l'Éternel est en train de vous délivrer au nom de Jésus. Mais aussi au même moment, je suis en train de voir une personne, on vous a... J'étais comme une maladie, mais c'est au niveau de votre peau. Je vois comme des taches au niveau de la peau, des choses comme ça. Je prie au nom puissant de Jésus. La main de Dieu est en train de s'étendre sur vous. Je vois une guérison venir au nom puissant de Jésus. Amen. Cette peau est régénérée. Cette peau est restaurée. Cette peau est guérie. Maintenant, merci Docteur Saint-Esprit. Docteur Saint-Esprit, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus? Que Dieu soit béni pour ces moments dans sa présence. Nous allons partager nos communiqués. Nous allons poursuivre demain, déjà, midi en prière, intercession victorieuse, de 11h
à 13h. Nous serons là encore connectés de 11h à 13h. 13h. Vendredi Nguya, ce vendredi 4 juin 2021, de 15h30 à 19h, avec comme orateur le pasteur Dédé Landou. Thème: fini la servitude. Exode 6, le verset 6. Soyons là le vendredi et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Aimons et partageons les pages Facebook suivantes. Le frère Ornick Bongonda officiel. Donc le nom de la page, c'est Ornick Bongonda officiel, que nous avons commencé depuis peu. Si vous n'avez pas encore aimé, nous vous invitons, nous vous encourageons à le faire. Aimez et faites partager cette page Ornick Bongonda officiel, et quelque chose de puissant se prépare dessus. Et je sais que le ciel va vous bénir, va nous bénir. Il y a aussi la page du pasteur Patrick Yomba. Et très bientôt, un séminaire. Nous aurons un séminaire biblique avec comme orateur le pasteur Patrick Yomba. Et date, ce sera du mardi 22 juin au vendredi 25 2021, heure de 6h30 à 19h30. Le thème, bien sûr, nous sera communiqué d'ici peu. Et pour nos dons, pour vos offrandes, pour vos libéralités, consultez les coordonnées qui défilent sur le fil de commentaires. Vous voyez les coordonnées qui sont en train de passer, PayPal, ainsi de suite. Voyons ces commentaires-là, et pour nos offrandes, pour nos dîmes et pour nos libéralités. Que Dieu soit béni. Le frère Christopher va prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur, et que la gloire revienne à Dieu. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, ta faveur. Merci pour cette ligne de conduite que tu nous as donnée en ce jour. Merci pour la délivrance qui s'est opérée par le songe, la délivrance des songes, la délivrance des mauvaises rêves. Nous déclarons que désormais nos songes et nos sommeils seront le point de contact où tu viendras nous parler. Merci pour tout ce que tu as accompli. Nous bénissons toute cette semaine au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Mon âme est en plein secret. Alléluia. Brise. Ce vendredi, nous serons là. Vendredi Nguya à la Bague Kasavubu. Référence rond-point Kimpwanza. À partir de 15h30 ce vendredi. Thème: fini la servitude. Alléluia. Prêt.